Vincent, Hélène, moi, Vincent, Alizée et Maria travaillons sur le projet BT7 du hachis parmentier végétarien. Donc la principale difficulté a été de pouvoir mimer de la viande sans en avoir aucune trace. Donc nous avons utilisé des protéines de pois qui ajoutent une texture similaire à la viande, ainsi que des carottes râpées finement qui ajoutent le côté fibreux qu'on trouve dans la viande. Et également, nous avons étudié l'arôme pour que ce soit plus semblable à de la viande. Et donc, nous avons ajouté une combinaison de trois arômes, oignons, fumée et bœuf, qui nous ont permis d'obtenir un produit que nous vous présentons ici, et également du colorant qui a permis d'avoir une couleur similaire à de la viande. Nous devions viser trois allégations. Donc, nous devions enrichir en fibres le produit et l'alléger en matière grasse. Donc, le fait d'alléger en matière grasse n'a pas été très difficile parce qu'il n'y a pas de viande et la viande est grasse. Donc, il n'y a pas eu vraiment de problème à ce niveau-là. Par contre, pour la fibre, il a fallu quand même ajouter un petit peu d'inuline qui est issue de la chicorée et qui a permis d'obtenir notre allégation riche en fibres, qui correspond à 3 grammes pour 100 grammes de fibres. Nous avons également l'allégation source de protéines, puisque nous avons des protéines de pois qui sont très riches en protéines.